اسنيني سي احمد ويحيى باسكو دا قبايلي اكي قار نو سوم بور ديسنتراليزي نو زالون ديسنتراليزي اي سي كوا لا ديسنتراليزاسيون غوروس نو زالون دوني بلوس دو بوفوار اوز ا بي سي با 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 انسيتي دي سوفرات وهمات يرنا ويحيى كي بور كومبروندر سا بوليتيك ذكرني ذكرني انسي تقفل سيكك اك دي فارسيا اي بي جو فو دير اك قاري فو دوني بلوس دو بريروغاتيف اوز ابي سي ميم سو يحيى ثارو ميث سي اون فراس سوجي فيرب كومبليمون اك نقا ثامورت النقبايلك ثقا Nous sommes pour l'autonomie. Et l'autonomie, ce n'est pas les APC. L'autonomie, ce n'est pas les APC. Et je vais encore aller plus loin. Nous sommes pour l'autonomie de la Kabylie. Mais pas uniquement de la Kabylie, de toutes les régions d'Algérie. On n'a rien à inventer. Il faut revenir à M. Ouyahia, à l'écriture de la guerre, le découpage de 1956 fait à Ifri Ouzlegen. Dit le congrès de la Souma, Asmi Gilla, Abad Ramadan, Karim Belkassem, Ben Mehdi ont découpé l'Algérie, Irna. Ils l'ont bien fait, sur le plan linguistique, sur le plan culturel et sur le plan économique. Parce qu'il y a eu le découpage 56, que les wilayats ont fonctionné d'une manière autonome, que Nghalef Faransa, Marior Jacques Belkassem Mohamedou Lhaj, gagne les ordres chez Tounes, vous n'allez pas nous culpabiliser avec des mots. Nous sommes pour l'unité nationale, mais nous sommes pour l'autonomie de toutes les régions d'Algérie. Quand chaque région aura son autonomie, mais il y a la région en 56-57, en 55, la Wilaya 4 a été créée par la Wilaya 3. La zone autonome de la Kabylie de Grouhnamrans. La Wilaya 6 de la Kabylie de Grouhnamrans. La Fédération de France de la Kabylie et Siamran. Donc vous voyez la Kabylie durant la lutte de libération nationale, non seulement où les Klil, c'est des centaines de maquisards. Je dis bien des centaines de maquisards. De la Wilaya 3 et Grouhan, un dernier d'eux. Eh bien, nous avons la même conception du futur État algérien. Et rien de dire, dans moins de 5 ans, ça va arriver. Dans moins de 5 ans, ils seront obligés, parce que la situation sera telle qu'ils ne pourront plus gouverner comme ça.